s'appelle John McNabb. Donc John McNabb est basé sur un livre qui a été écrit par l'auteur écossais John Buchan. Il a écrit aussi The 39 Steps, le 39 marches, qui a été fait en film. Oui. Donc John McNabb, c'est un autre de ses livres. Et dans ce livre en particulier, il y a trois londoniens, riches londoniens, qui s'ennuient. Ils ont trop d'argent, ils ne savent pas quoi faire. Voilà, ils décident d'aller en Écosse pour un peu d'aventure. Donc ils écrivent à trois propriétaires de terrain privé. Et au premier, ils disent, voilà, ce soir, on va venir chez vous et on va chasser un cerf. Au deuxième, voilà, on va venir chez vous et on va pêcher un saumon. Et au troisième, on va venir chez vous et on va chasser un coq de bruyère. Donc tout ça passe dans l'aventure en Écosse. Coq de bruyère, c'est aussi appelé la grouse. Graus. Which is quite famous this story. Et en plus, il y a maintenant ce qu'on appelle le McNabb Challenge en Écosse, ce qui est un concours de chasse. Et il faut faire tout ça dans une seule journée. Donc chasser un cerf, un coq de bruyère et pêcher un saumon. Mm-hmm.
Love the
the precipice nears, and hear the fool cry. Now you're standing alone on the rise of the storm. Oh, you must have your pride for the hand of your bride to become your own. Thank you.
Thank you.
Roman, deep and dark, the rolling waves as the tide blows us out.
behind the wind to the north and across we're bound. The gunnets wheel with the radio cry, the Portland waves are foaming. We'll sail along in the mighty fine in the search of the silver darlings. We'll sail along in the mighty fine in the search of the silver darlings. Thank you.